On retrouve maintenant Véronique Lauzon qui est à la place des Canadiens. Alors, Véronique, les fans des Cowboys fringants arrivent. Oui, oui, ils sont derrière moi. Il y en a ici, il y en a un peu partout. Alors, comme on disait, les portes vont ouvrir à 18h, mais ça commence quand même cet hommage qu'à 19h30. Et bien, imaginez-vous, Sophie, que le premier fan que j'ai vu, qui est arrivé sur place, est environ 15h. Il s'est assis sagement dans les escaliers devant l'écran géant à l'extérieur parce qu'il n'a pas réussi à avoir un billet. Et il était prêt à attendre pendant plusieurs heures. Il faut dire qu'il fait froid en ce moment, mais il tenait à être ici avec les autres admirateurs. J'en ai rencontré un autre qui, lui, espère encore réussir à avoir des billets parce qu'on lui a dit que la billetterie pourrait peut-être ouvrir des billets. Je vous rappelle que les billets sont gratuits. Sinon, il va rester à l'extérieur. J'en ai rencontré d'autres, bien entendu, qui ont réussi à avoir une place et qui ont hâte là, de rendre cet ultime hommage à Carl Tremblay. Je vous laisse écouter quelques réactions. L'image qu'il a laissée, le message d'espoir, que la vie, c'est... Il y a des hauts, des bas, puis il faut s'accrocher. Oui, je suis un fan des Cowboys fringants. J'aimais bien Carl Tremblay. J'ai vu une couple de fois dans un petit bar là, à Repentigny, okay. Cette place-là. Depuis l'album Verte, Brin syndical, si on peut dire, oui. Je l'ai encore en CD à la maison, mais... Oui, j'aime bien ça. Encore écouter ça. Je les écoute tous, les albums, d'ailleurs. Bien, c'est touchant, hein? Il y a des textes tellement qui touchent tout le monde qui sont indémodables, je pense, à mon avis. Et Sophie, il y a également beaucoup de dignitaires qui seront ici, dont le premier ministre François Legault, beaucoup de ministres. Sonia Lebel sera ici, également la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On nous a dit aussi qu'il y a des artistes qui tenaient à être ici. Donc, on va essayer là, tout au long de la soirée de parler à quelques personnalités qui ont décidé là, de rendre ce dernier adieu à Carl Tremblay. Voilà, on va vous retrouver un petit peu plus tard et on conserve cette image donc à la droite de votre écran. On vous revient plus tard. Merci beaucoup, Véronique. À tantôt.